activité, tapez www.casarema.fr. Casarema.fr vous présente le groupe Royaume Éternel dans Adorons le Grand Roi. Votre DVD est enfin disponible. Adorons le Grand Roi avec le groupe Royaume Éternel, avec des chants tels que Bénis le mariage. La terre écoute la voix de l'Éternel. Ne jouez pas avec le feu. Oh,
va visiter ce soir. Laisse ton père avoir un grand amen. Il y a beaucoup de gens qui ont
est difficile que tu viennes dans cette église et retournes avec ton problème. Et ça passe à l'église au poisson, la l'église est dédiée à l'éternel. Donc la joie de l'éternel. Et c'est quand même. Donc le Seigneur a la joie lorsque quelqu'un vient dans cette église. Il dit qu'on a quoi, lorsque quelqu'un vient dans cette église. C'est ce qui fait que lorsque tu viens enseigner, et tu ne retournes pas avec ta joie, tu vas te demander plusieurs questions. Mais je te dis une fois de plus, tu vas ajouter la joie dans la joie qui a toujours demeuré dans ta vie. Amen. 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 Il faut souvent choisir un petit bien de notre une révélation pour une église. Il faut savoir les thèmes que tu vas donner à ton église. Et si tu choisis les thèmes de la guerre, tu auras seulement la guerre. Mais si j'avais dit l'éternel, est-ce qu'il y aura toujours la joie? Séance d'enseignement depuis les jours de la prière. Donc, on voit qui on voit la mise à la question. On a cherché à vous parler sur les alliances. C'est pas dit à la moto, on a été à Yokan. Mais avant de vous parler sur les alliances, Yambo, Nassimba, le Seigneur avait mis trois paroles de connaissance à moi pour essayer de montrer au peuple de l'Église ce que faisait l'Église et ce qu'elle allait revenir demain et lendemain. Le Seigneur ne tient qu'à de pouvoir appeler son peuple béni. C'est-à-dire lorsque les prophéties tombent, beaucoup de gens croient que c'est de la flatterie pour amuser les oreilles des gens. Et puis, il y a soit des idées qui amènent l'évangile. Lorsqu'on doit changer les avions pour apporter l'évangile, sachez que le Seigneur accroche quelque chose à nos pieds pour pouvoir venir libérer son peuple. Et nous avons dit que j'ai dit, il y a la première révélation que le Seigneur nous a donnée pour cette église. Donc il nous a montré une cruche des abeilles avec plein de miel dedans. Et il y avait beaucoup d'abeilles qui rentraient, qui sortaient, qui faisaient leur ouvrage. Et l'enseignement de cette révélation, mais c'est que le nombre des gens que le Seigneur va envoyer dans cette église, elle va être grande. Alléluia. Ensuite, nous avons continué à prier. Et le Seigneur nous a montré des champignons. Tout un champ de champignons. Et la camionnette n'a pas. Je n'ai pas vu la limite de ce champ de champignons. Il y avait des très bons champignons. Comme nous le savons, les champignons sont des plantes qui montent indépendamment, qui poussent indépendamment. Et lorsque chaque champignon pousse, il porte son chapeau. J'ai commencé à demander au Seigneur qu'est-ce que cela veut dire. Le Seigneur a voulu me dire tout simplement que les champignons, ce sont des plantes indépendantes et libres. Et ils portent leur protection. Donc les parapluies qui sont sur les champignons, c'est la protection que le Seigneur devait sur chaque membre de cette église. La première révélation, bien-aimé, est pareil à la deuxième. Et la troisième, bien-aimé, c'était que le Seigneur nous a montré qu'il y avait des signes, des grands champignons. Les signes, bien-aimé, comme vous le savez, ce sont des plantes, lorsqu'elles poussent, elles sont superposées par d'autres signes. J'ai demandé au Seigneur. Le Seigneur m'a dit la multiplication de cette église est sur ses enfants et à inviter les gens. Alléluia. Alléluia. Nous ne voulons pas aller à l'excès. Mais nous disons que c'est un droit. Non, toi, ça c'est toi enseigner. Bien va agir. Et ceux qui ont des oreilles puissent attendre la parole du prophète. Les chabanis, nous avons donné l'invitation. Maman, que le Seigneur vous bénisse. Maman, pour pouvoir me donner l'espace dans le ministère que le Seigneur vous a donné. Je n'ai pas donné
qui vient. C'est la confiance qu'on nous donne Donc nous avons commencé bien aimé notre thème depuis les jeudi sur les alliances. Et nous avons dit que depuis la création de la terre, il a toujours marché avec l'homme par des alliances. Et depuis ces temps, les alliances sont toujours continuées jusqu'à nos jours. Et par là, nous sommes allés aussi, avec les humains et avec Dieu, marcher toujours avec des alliances. Et la première alliance, c'était l'alliance d'Éden. Dans cette alliance d'Éden, c'est l'alliance de la création qui a appelé Abraham et Adam à pouvoir occuper toute la terre et donner des bons animaux, aux plantes, aux oiseaux, aux poissons et toutes les créatures du monde. Mais bien-aimé, nous avons passé directement la deuxième alliance qui est l'alliance d'Adam. Cette alliance a eu des problèmes à partir du moment où Adam a eu son épouse. Depuis la première alliance, il y a une fille qu'Adam n'était pas vraiment content. Adam ne souciait pas, il était toujours avec des animaux, il était toujours avec des bêtes. Mais cette fois-ci, il a dit, il faudrait que j'adore Adam pour ôter une côte de ses côtes. La Bible nous dit, à partir de ce moment, Adam a commencé à prophétiser et à croire au Seigneur pour la créature que Dieu a faite. Et il a dit, verset 1 à 3. Les débits de la dispensation. La dispensation, c'est quoi en fait? C'est un temps pendant lequel l'homme est éprouvé en fonction de la désobéissance ou de l'obéissance. Avec une révélation spécifique de la volonté de Dieu. Donc, Dieu se réveille un bon matin. De se tenir la route pour pouvoir aller là où il ne connaissait pas. Un Dieu qu'il ne connaissait pas assez, un Dieu qu'il n'avait pas expérimenté, mais il se lève, il lui dit, c'est pas qui ton pays, ta patrie, la maison de ton père, le Dieu que je te montre. Et Adam a obtempéré. Il s'est mis en route, ne sachant pas qu'il doit aller au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Oh bien aimé, je te dis, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et je crois que vous n'avez pas compris. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Cet homme qui venait
et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et ce sera une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et je maudirai la famille de la terre. Ils vont vous rappeler puisqu'on n'a pas assez de temps. Vous êtes prêts à attendre le témoignage?
Vous avez la grâce de venir à Kinshasa dans des avions. D'autres ont pris même des bateaux. Alléluia. Mais moi, je suis venu à Pierre, Kinshasa. Et Kananga à Kinshasa. Kinshasa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, je n'avais rien dans ma poche. Mais j'avais seulement la révélation du Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui, lorsque les gens me voient venir du Canada, ils disent, oh, celui-là, il a la grâce. Posez-vous la question de savoir quand est-ce que la grâce a commencé. Puisque si je vais te faire passer dans mon témoignage, il va arrêter le chemin de Dieu. Alléluia! Alléluia! C'est fait. Là où nous venons, on ne prie plus pour la nourriture. On ne prie plus pour la nourriture. Alors j'arrive dans une ville comme Kinshasa. Je n'ai pas le temps de donner des témoignages. Mais je vais donner une petite partie. Je quitte Kananga par train. J'arrive à Idebo. Il va acheter à manger en route. Il prend une chemise de militaire. Il dépose chez moi. Alléluia. Je deviens enfant de Dieu. On était logé ici sur Kampokolo. J'ai la grande sœur à ce monsieur. Cet homme, un militaire, comme il avait beaucoup d'argent, il faisait de prendre la parole chaque jour, chaque jour, chaque jour. C'est ainsi que la femme, la grande sœur à cet homme a dit, mais c'est un dimanche qui vient de la famille ici. Femme de ta famille. Bien aimé, je vous épargne d'autres détails. Je suis allé dans ma famille. Bien aimé, arrivé dans ma famille, j'ai trouvé mon frère, mon cousin qui m'avait fait venir ici. Ils ont commencé à nous saluer, moi et le monsieur qui m'a accompagné. Mais juste le temps de transporter la valise et franchir la barrière d'entrée comme ça, la personne qui m'a accompagné a disparu. Alléluia. Alléluia. Mon frère, mes belles-sœurs étaient inquiètes. Non. Nous comptons même la chaîne de transport à celui-ci. Mon frère est rentré poitrine et nuit jusqu'au coin de la ville. Mais vous n'avez pas vu des personnes rentrées ici. On a vu des personnes passer. Je ne suis jamais retourné. Il m'a accompagné seulement des royales justices. Dieu nous donnera l'occasion de faire. Alléluia. Puisqu'il y a des gens qui sont choisis de l'éternel, qui ont fait des alliances avec les seigneurs, et qui n'ont jamais compris pourquoi ils ont fait cette alliance. Alors, on est vraiment maintenant dans la parole. Que Dieu va déplacer les gens aujourd'hui. Alléluia. Vous pouvez obtenir un peu de vous. Le Seigneur m'a demandé de faire ce que vous faites. Je bénis l'Éternel puisque cette salle a des carreaux. Regarde là en bas, regarde les carreaux. Tiens-toi sur un seul carreau là où tu es. Regarde. Tu vas là où tu es. Alléluia. Choisis un seul, ne piétine pas des choses. Choisis un seul. Alléluia. Tu vas là où tu es. Alors, Dieu te dit qu'il va te déplacer. Le message que je vous donne, c'est pour vous déplacer. C'est dit que tu vas quitter les carreaux où tu te tiens pour un autre à droite. Donc, tu vas faire un pas à droite. D'un seul carreau, c'est bon, puisque on n'a pas assez de temps. Je vais compter jusqu'à 3. 1, à droite, droite des arbres au bas. Alléluia. Alors nous allons compter 1 jusqu'à 3. 1, 2, 3. Alléluia. Acclamez le Seigneur très fort. Acclamez le Seigneur très fort. Alléluia. Vous savez ce qui va se passer? Asseyez-vous maintenant. Je vais vous expliquer ce qui va se passer. En 2006, j'étais parti au
au Danemark, toujours en mission du Seigneur, cet Éthiopien avait les cheveux des races. Il paraît c'était un petit-fils à Haïlé, Sélassié, de l'ancien roi d'Éthiopie. Alors cet homme ne voulait jamais entendre parler de la parole. D'abord d'origine musulmane, alors il ne voulait jamais entendre parler de la parole. Mais ce jour-là spécialement, il avait ramassé une invitation. Et pendant qu'il avait ramassé cette invitation, il avait entendu une voix lui dire: aujourd'hui je vais te déplacer de là où tu es pour un autre endroit. Lorsqu'il rentre dans la salle et il attend par ma parole en train de dire que non, je suis venu déplacer quelqu'un de là où il a toujours été pour un autre endroit. Cet homme a lancé un cri dans la salle. Les gens de la sécurité, donc de l'église, sont allés l'attraper. Pourquoi il était un fou pour lui, alors le pasteur de l'église allait l'esceller. Il a suivi les enseignements. Il a eu la délivrance. C'est après là que nous l'avons réussi. Et il viendra répéter que non, lui, il y a, on devrait les déplacer. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de délivrance. Qui est tenu dans la pauvreté. Une autre délivrance, ce n'est pas au nom de Jésus-Christ, pauvreté quitte. Il faut bénir, ce n'est pas la personne. J'ai pris cet homme, je lui ai acheté un costume, je lui ai acheté des chaussures, je lui ai demandé si on pouvait couper ses cheveux. Il a accepté, on a coupé ses cheveux. Je dois avoir toutes les photos dans mon documentaire. Et cet homme a changé de vie. C'est après là qu'il viendra nous dire: c'était un ingénieur architecte. Et qu'il avait cherché du travail partout au Danemark. On ne voulait pas l'accepter à cause de ces cheveux-là. Puisque ça faisait une appartenance à une religion. Aujourd'hui, là, puisque je correspond toujours avec cet homme, il est marié à une femme blanche, il a un grand poste, il est à l'ordre des ingénieurs de Copenhague. Alléluia. C'est pourquoi je t'ai dit, le Seigneur qui accompagne la parole avec des miracles est venu pour te déplacer de là où tu es. Même si c'est toi dont on a donné des noms dans les quartiers, sachez que mon Dieu va te déplacer de cette grande chose pour une autre endroit. Même si c'est toi qu'on vient amener la Milani, et aujourd'hui on va te déplacer et tu vas porter un autre nom. C'est les tribalismes, c'est les récoutes. Et qui mon Dieu va te recommander d'une manière dont il comprend. Et c'est à mon Dieu, c'est lui qui croit qu'il agit, c'est pas la mienne. Alléluia. Alléluia. Jésus est le pays. Jésus est le pays. Abraham, bien-aimé, a accepté la recommandation du Seigneur. Il a accepté la recommandation du Seigneur. Et c'est pourquoi le Seigneur a commencé à changer des choses. Il a maintenu dans une seule chose. C'est quoi? La protection. Mais bien entendu, je vous dis, Dieu ne compte pas les gens selon la procréation, selon la postérité, ou bien selon quoi que ce soit. Alléluia. Alléluia. Amen. Les premiers jours, j'ai témoigné ici que j'étais père et grand-père. Alléluia. J'avais connu ma femme lorsqu'on était étudiant. Nous avons passé 6 ans de fiançailles. Après les 6 ans de fiançailles, nous nous sommes mariés. Alors s'il faut compter, lorsque je l'ai connu à 85 jusqu'à aujourd'hui, nous avons 28 ans de vie commis.
Mais Dieu n'a pas encore donné d'enfants. Alléluia. Je vous dis, malgré cela, il n'y a pas une seule personne qui aime sa femme comme vous. Alléluia. Je lui donne toute sa place dans la société. Qui a prié pour que moi je vienne au Seigneur. Et Dieu a voulu nous attaquer. Après 8 mois de mariage seulement, nous avons été visités par l'ennemi. Maman, je viens de faire. Excusez-moi, je viens de là où fait mon carambère. Alors, bien après 8 mois de mariage, comptez 1, 2, 3 jusqu'à 8. Je me suis marié à une deuxième femme. Vous comprenez les liens de Malouba. C'est le mythe qui baptise. Mais c'était trop dur pour moi. J'ai levé la route. C'est là que j'avais deux femmes. Mais il fallait avoir un côté coquimine de gauche droite. Je vous dis, ce n'est pas facile. Alléluia. J'en suis fier. Et je le resterai. Alléluia. Alors, quatrième, cinquième alliance. Évangile avec bien, hein. Maman va témoignage, hein. L'alliance de Moïse. Ici, c'est ce que nous appelons l'alliance de Sinaï. Cette alliance, bien aimé, s'est faite sur l'écoute de la voix de Dieu. Jusqu'au début, lorsque Dieu a choisi Moïse, cet homme a commencé à douter. Il a commencé à discuter avec Dieu. Il a commencé à montrer ses incompétences. Dans cette église. Donc papa et maman ont demandé de faire telle ou telle chose et ils ont voulu se disqualifier même. Mais vous ne savez pas ce que Dieu attend de vous. Bien, s'il fallait un choix de Dieu sur base d'une connaissance, d'une beauté, je ne crois pas que Dieu allait m'appeler. Il n'avait rien, et alors rien de bon en moi. Je termine ce livre, je rentre là-bas. Vous avez bien aimé.
Amen. Ah, nous avons joué avec la terre dans cette rue. Il y a des moments où j'ai rencontré des voitures à route connectée avant que j'arrête. Moi, il faut bien. Oh, dans ma dialogue aussi. Okay. Nous avons, je paye cet argent et je remorque les deux et je m'en fais. Mais ça ne m'a pas aidé. Bien, mais c'est pourquoi. Le jour que moi j'ai reçu Jésus, j'ai utilisé toute la violence pour laisser et le travail et pour aller servir Christ. Pour l'alliance d'Israël, Deutéronome 30:13. Et nous allons terminer avec l'alliance de David et passer directement l'alliance de Jésus-Christ. Ici, bien aimé, l'alliance de David, Dieu fait des démarches pour descendre maintenant sur terre. Mais il se rend compte qu'il n'a pas une logique, il n'a pas de demeure ici-bas. Alléluia. Alors il a choisi David. Et avec David, son alliance, c'était de bâtir la maison de Dieu. David, bien aimé, était l'homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu voulait faire de David son ambassade ici au monde. Dieu voulait avoir une maison avec David ici au monde. Dieu qui n'a pas fait avec David, il a fait avec les fils de David. Voilà pourquoi il a donné beaucoup de promesses à David. Malgré les péchés de David, malgré les erreurs de David, malgré tout ce que David a été, bien dit, toi je ferai l'alliance des bâtisseurs avec toi. Il va bâtir ma maison. Mais comme David avait beaucoup de sang sur lui, il faut bien que ce soit David. A bâti la maison avec son fils Salomon. Donc non seulement qu'il a choisi pour bâtir son maison, Dieu promet d'affermir son trône pour toujours. Donc on parle des 12 tribus de Juda, qui sont bien sûr la progéniture de David. Dieu devrait sortir une personne qui allait racheter le monde, récupérer le monde pour pouvoir affermir les nations comme nous le sommes. Dieu dit qu'il sera le père et que David sera son fils. Bien aimé, c'est pas par habitude d'aller à l'église qu'on est fils de Dieu. Bien, on devient fils de Dieu par une autre option en dehors de l'habitude d'aller à l'église. Il faut accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Il faut sacrifier sa vie pour lui. Et c'est à ce moment-là qu'il t'appellera son fils. Et il sera ton père. Donc, Dieu a dit à David, même si toi tu fais le mal, je ne te châtierai pas. Puisque ma grâce est sur toi. Alléluia. Alléluia. C'est ainsi que Dieu a mis fin avec les alliances avec la vie. Ainsi nous sommes passés à la fête des alliances, donc qui est la 7e alliance de l'Ancien Testament. On a continué avec les alliances de l'Ancien Testament. Et ici on tombe maintenant l'alliance des alliances. L'alliance de Jésus-Christ de Nazareth. L'alliance des Seigneurs des Seigneurs. Nous allons lire Hébreux chapitre 8, versets 7 à 8. Hébreux. Oui, c'est très important là-bas. 7 à 8. Lisons Hébreux chapitre 8, verset 7 à 8. La Bible déclare. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Excusez-moi, pasteur, excusez-moi. Vous savez, des endroits comme ça, il faut changer même l'accent. Parce que vous puissiez lire dans la parole, puisque là, vous êtes prenant. En effet, si la première alliance avait été sans défaut,
avait été sans défaut. Il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Alléluia. Amen. La première alliance, c'est laquelle? C'est la sept alliance que nous avons eue dans l'Ancien Testament. Bien-aimé, moi et vous, nous ne sommes pas là pour porter des jugements sur cette alliance. Mais la Bible nous dit, si ces alliances n'avaient pas été portées sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. C'est-à-dire quelque part, ces alliances sont des défauts. Il y a une loi. Bien, on ne peut pas être récupéré par la loi. Et bien, mais c'est par la grâce que nous sommes aujourd'hui récupérés. Il nous dit, toutes les alliances qui ont subsisté doivent être remplacées par une et une seule. Et c'est dit, pasteur, continue maintenant. On va débattre le premier. Verset 8. Oui. Ouais. Car c'est avec l'expression d'un plan que le Seigneur dit à Israël. Non. Voici, le jour vient, dit le Seigneur, où je ferai et la maison de Juda, une nouvelle alliance. Oh, acclamons Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, plusieurs alliances vont exister. Nous avons compté plusieurs ici. Mais le Seigneur nous dit, le temps est arrivé pour Israël. Pour faire une nouvelle alliance. Bien aimé, je vous dis, au nom de Jésus-Christ, qui l'a établi, la boue du péché, qui m'a mis à part, qui m'a lavé, qui m'a établi comme son prophète. Aujourd'hui, je vous dis, oh, bien-aimé, la gloire qu'il y a dans cette église, dans ce ministère, est plus grande que celle que vous avez connue, pasteur. Vous n'avez pas compris. La MC dit non. Alléluia. Donc la Bible nous dit que où je serai alliance avec la maison d'Israël et la maison de Juda. Une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai prêtée avec leur père. Écoutez maintenant. Les jours où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi non plus, je ne suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Le Seigneur nous dit, malgré toutes les alliances qui se sont écoulées, il ne s'était pas soucié de nous. Pourquoi c'est toutes ces alliances? Aucun d'entre nous les avait respectées. C'est pourquoi il avait établi son royaume ici-bas. Il avait construit une maison de l'Éternel ici-bas. Avec David, pour que lui-même puisse descendre. Maintenant, il est descendu. L'homme des alliances, la fin des alliances, Jésus-Christ de Nazareth. Je mettrai mes lois dans leur esprit. Bien aimé, avant le
de bois, si de pierre. Jésus a dit, il a effacé tous ses actes qui nous condamnaient au péché sur la croix, mais spectaculairement. Va établir, c'est la piscine de pierre, c'est la piscine de colline, c'est la piscine de vallée, c'est la piscine dans l'eau, c'est la piscine de forêt. Lorsque vous lirez la Bible, vous verrez que du temps ancien, tous les serviteurs de Dieu portaient des ceintures. J'aurai l'occasion d'enseigner cela. Vous avez porté la ceinture ici. Donc, on appelle l'ange, alléluia. Mais lorsque vous lisez la Bible, lorsque Jésus-Christ était établi et qu'il a annulé les lois, bien aimé, la Bible nous dit que la ceinture n'était plus portée ni au rein ni à la hanche, la ceinture s'était portée maintenant à la poitrine. Il y a quelqu'un qui a déjà dit ce verset. Maintenant, allez voir les évêques pour montrer qu'ils ont franchi d'autres étapes. Mais c'est une des évêques, c'est quoi tout? Ici à la poitrine. Et vous savez pourquoi? Bien aimé, des fois tout à Katoro, Oyemi propose tout à Toro. Avant tout à Toro, il faut la cible à Oazali Kati à Toro. Il faut tout à Toro. On a Yemi la Kati Naga, Oazali, Azamoune de Koleka. Alléluia! Bien aimé, lorsque tu portes déjà la cible ici à la poitrine, et on va faire pour tout à Toro. Puisque Jésus a dit, si Christ est pour moi, qui sera contre moi? Mais pour que Jésus-Christ puisse agir maintenant, dans cette alliance, il y a plein de choses qu'il faut faire. C'est d'assumer toutes les autres alliances. C'est l'exercice que nous allons faire ce soir. Nous allons prier. Notre maman va nous conduire dans la prière. Pour annuler toutes les alliances. Nous sommes condamnés à les célibats, à la mort, à la maladie, à la pauvreté, à la blocage. Nous nous établissons avec Jésus-Christ. Mais moi, je crois le Seigneur, qui a porté la sentir à la poitrine et à la gloire du nom de Jésus. Alléluia. Mais pour qu'il puisse y arriver, il s'est fait lui-même sacrifice. Alléluia. J'ai voulu combiner l'enseignement, mais on fera la Sainte Seine après. Pourquoi? Parce que nous avons la Sainte Seine, ne soyez pas trop stressés, bien-aimés. On va plus enseigner beaucoup. Avant de faire seulement la prière, puis on va bénir le pain et le vin du Seigneur, puis on va passer. Donc, au Saint-Emmanuel. Mais vous allez comprendre, bien-aimés. Toutes ces alliances ne sont représentées que par une seule chose. C'est quoi? Un seul mot que nous appelons le sacrifice. Il a fallu que Jésus-Christ puisse se sacrifier et pas que vous ne puissiez être rachetés. Il faut que vous demandiez des sacrifices. Je n'ai pas préparé de vous demander de l'argent. Alléluia. Puisque c'est que moi je vais vous demander peut-être. Ça peut paraître comme une équipe, excusez-moi. Ce n'est pas une équipe, puisque vous avez entendu d'où je viens. Il y a que des femmes à gravier jusqu'ici. À force de souffrir bien aimé, à l'université, j'ai mon collègue ici. Tellement j'étais complexé à un moment donné. Les chefs des cicots, la quinoa, pour moi, la beauté, la quinoa. Alors, pour défendre ça, j'avais dit, ok, moi je vais m'autoproclamer. Je suis le président de tous les villages. Alléluia. Bien-aimé, la joie a succès là, grâce à Dieu, la gaïe. Parce que le président de tous les villages. Alléluia. Mais je voulais valoriser quand même nous autres qui venons ici. Avec Jésus-Christ, son âge ou pas, Kinshasa ou pas, c'est incapable de le sortir de là et de le retourner. Aujourd'hui, nous allons faire. Bien, l'homme d'alliance est venu. Celui qui est venu a dit tout.
Bien-aimé, vous connaissez les sacrifices, quoi. Il a fait la lettre ici, il peut m'expliquer qu'est-ce que c'est les sacrifices. Casarima.fr vous présente le groupe Royaume Éternel dans Adorons le Grand Roi. Votre DVD est enfin disponible. Adorons le Grand Roi avec le groupe Royaume Éternel, avec des chants tels que Bénis le mariage, Zambé Mbala Oyo, Zambé na Israël, Zambé na Abraham, le long comme une Zambé na Julie. Alléluia. Sous-titrage Société Radio-Canada.